Qu'est-ce que vous faites debout, tous les deux? On a entendu un bruit bizarre. Je crois que ça vient de la mare aux grenouilles. Ce serait pas le fantôme de la mare aux grenouilles? On ferait mieux d'aller voir. Je suis sûre que c'est le fantôme de l'histoire de papy. Alex, ça n'existe pas, les fantômes. C'est le fantôme de la mare aux grenouilles. Mais on ferait mieux d'appeler la patte patrouille. La patte patrouille est arrivée, elle va attraper ce fantôme. Ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Everest va inspecter la forêt et avec Jayce, on va à la mare. À tout à l'heure, Ryder. Vous avez trouvé le fantôme? Oui. Lampe torche. Ces bruits effrayants n'étaient ni ceux d'un fantôme ni ceux de Monsieur Hellinger. Ils proviennent de très grosses grenouilles. De grenouilles taureaux. Mais cette espèce ne vit pas dans cette mare. Alors d'où viennent-elles? Monsieur Hellinger? Que faites-vous avec ces grenouilles taureaux, Monsieur Hellinger? Eh bien, j'étais reparti faire un petit tour et... ça va, hein, j'avoue. Leur coassement insupportable m'empêche de dormir. Alors je suis venu les installer ici. C'est pour ça que je n'avais pas reconnu leur cri. Elles vivent à Foggy Bottom. Et c'est pour ça qu'on va les ramener là-bas. Je vais les conduire jusqu'à Foggy Bottom. On peut y aller ensemble, Monsieur Hellinger. Oh, ça va être un long trajet, extrêmement bruyant. Retrouve les épisodes de la Patte Patrouille sur Nickelodeon Junior.